Sur la hauteur, vois tes enfants.
Psaume 118, strophe 15. Je joue pour le nom du Seigneur de très haut.
Psaume 13. Cantique d'Isaïe, page 281. Père Jean Danielou, Jean-Baptiste, témoin de l'agneau. Avec Jean, et c'est sans doute le trait le plus frappant, c'est déjà la joie qui est donnée,
non la joie humaine, mais la joie messianique, ce que Siméon appelait la consolation d'Israël. L'ange dit à Zacharie, « Il sera pour toi joie et exultation, et beaucoup se réjouiront en son nom. » Cette joie qu'il donnera, lui-même en est rempli. Lors de la visitation de Marie, Jean est rempli de l'Esprit et exulte dans le sein de sa mère. C'est la proximité de Jésus qui suscite en lui la joie, cette joie que seul donne le Verbe quand il touche le cœur, au-delà de toutes les choses créées, et leur fait sentir la béatitude qu'il est lui-même et qu'il communique. Ici encore, la joie de Jean n'est pas une conséquence seconde. Elle est la substance même de son être touché par la joie divine, témoignant de cette joie, caché dans cette joie. Il exulte déjà de l'événement qui vient, car celui qui vient et qu'il prépare est celui qui donnera aux siens la joie que le monde ne saurait donner et qui est au-delà de tout sentiment. Cette joie éclate avant tout dans sa nativité. Elle est comme une aurore. Elle sera ensuite comme cachée quand il s'enfoncera dans l'obscurité, de peur que son propre éclat ne retienne les cœurs et ne les empêche de s'ouvrir à celui qui seul apporte la joie et de qui lui-même l'a reçue comme par un don anticipé. Par là encore, Jean témoigne de celui qui vient, ne retenant rien pour lui qui n'est pas la lumière, mais celui qui rend témoignage à la lumière. Mais il ne rend témoignage à la lumière que dans la mesure où lui-même est éclairé par elle et exulte de la saluer à son lever. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Tournez-vous vers moi pour être sauvés. Habitants de la terre entière. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche.
Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je fais la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fais tout cela. Que les cieux distillent la rosée, que les nuages répandent la justice, que la terre s'entr'ouvre et que le salut s'épanouisse, que la justice fasse éclater en même temps tous ses bourgeons. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui qui est Dieu, lui qui a modelé la terre et l'a formée, lui qui l'a fixée. Il ne l'a pas créée comme un désert, l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur. Il n'y en a pas en dehors de moi. Tournez-vous vers moi pour être sauvés, habitants de la terre entière, car c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sortira le salut. Cette parole ne reviendra pas en arrière. Devant moi, toute créature tombera à genoux, par moi jugera toute langue en disant « Au Seigneur seul, la justice et la force. » Vers lui viendront couverts de honte tous ceux qui s'étaient dressés contre lui, et toute la descendance d'Israël trouvera dans le Seigneur sa justice et sa fierté. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Dans ce chapitre 45e, qui est tiré du deuxième Isaïe, nous entendons le Seigneur lui-même proclamer par la bouche de son prophète sa présence, son existence bien sûr, mais plus encore sa grandeur et sa puissance sur tout l'univers. Et nous avons vu combien le Créateur des cieux, lui qui conduit son peuple, lui qui mène toute l'histoire du salut, se déclare et appelle toutes les créatures que nous sommes, nous, ses enfants, à le reconnaître, à l'adorer, à le suivre. Il y a un passage qui peut nous étonner toujours un peu, c'est quand, pour montrer l'étendue du pouvoir à qui rien n'échappe de notre Dieu, le texte lui-même va jusqu'à dire « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je fais le bonheur et je fais le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. » Nous savons que c'est un des points qui nous sépare un peu de la vision qui se retrouve ici ou là dans l'Écriture défendue par Isaïe. Et le raisonnement est simple, il paraît irréfutable. Dieu est le Créateur universel, rien ne lui échappe, tout ce qui existe est conduit par lui, est sorti de lui et reviendra à lui. Mais il est toujours un peu gênant, n'est-ce pas, de dire que c'est Dieu qui fait le malheur et qui le provoque. Et je crois que nous pouvons dire un peu différemment les choses depuis que Jésus, le Dieu miséricordieux, est venu jusqu'à nous. Non, Dieu est sans idée du mal. Il ne veut pas le malheur, il ne le provoque même pas. Il le suit, il le conduit, il le rachète. Et le Seigneur est tellement l'ennemi du mal qu'il ira jusqu'à offrir, livrer sa propre vie pour justement nous en libérer, nous en racheter.
Rendons donc grâce à Dieu pour toutes les merveilles que nous voyons dans la créature, dans l'histoire, dans l'homme et jusque dans les choses les plus infimes qui toutes sont un reflet en effet de sa présence et même de sa majesté. Et remercions-le plus encore d'être venu, lui qui n'a pas fait le mal et qui n'a pas pu le créer car c'est un Dieu de bonté, lui qui nous fait miséricorde et veut nous conduire à la reconnaissance. Et comme nous sommes à quelques jours de la venue du Sauveur, sachons nous aussi le remercier pour ce qu'il a ainsi tout rétabli et combien, s'il permet le mal, il a aussi le pouvoir de le racheter sans cesse et de le tourner en bien pour notre salut. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les associations qui organisent des fêtes de fin d'année, pour les plus démunis et les personnes seules, Seigneur, sois béni. Guide ceux qui sont seuls vers la joie de la fraternité. Tout le personnel soignant des hôpitaux qui travaille auprès des malades, Seigneur, sois béni. Donne-leur force et courage pour continuer à servir leur prochain dans la charité et la patience. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui travaillent à répandre ton évangile par le monde, Seigneur, sois béni. Soutiens leurs efforts et viens fortifier ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Dieu qui veut instaurer en nos cœurs une vive flamme d'amour, avec Jean de la Croix, nous te bénissons. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même, fais qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'elle soit faite selon ta Et le Verbe s'est fait chair. Et la